Radioscoop.com. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, surtout, voilà, c'est le Ghetto Blaster qui débute à 19h sur Explicit Content, c'est Jess au micro et je suis avec Sake Zaka qui est là dans les studios de Goom Radio. Comment vas-tu? Ça va et toi Jess? La semaine se passe bien? Très très bien. Très très bien, sur voilà. Goom Radio. C'est jeudi, avant-dernier jour. Aujourd'hui, on va beaucoup parler donc de tes collaborations. Alors, je rappelle bien sûr que Sake Zaka est là pour la sortie de son album qui s'appelle La Clé de la Cave, qui sortira au printemps 2011. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et bah tiens, d'ailleurs, comment ça se fait que t'as mis autant de temps à ressortir un album? C'est juste parce que ça te prend du temps d'écrire des textes? Ouais, principalement c'est pour ça. Ouais. Parce que ouais, j'ai le souci du travail bien accompli. Parce que ouais, enfin, j'avoue que je suis un peu lent à la détente. Ça me travaille pas mal et tout, ouais. Tu vois, mais je préfère, tu vois, limite vivre un peu mal le fait de faire patienter les gens plutôt qu'arriver trop vite avec des morceaux que au bout de 6 mois je serais saoulé d'écouter parce que je les aurais pas assez bien écrits. D'accord. Donc je préfère. Mettre du temps peut-être à faire les trucs qui t'a en saoulé certains, tu vois, je pars du principe que même si aujourd'hui l'auditeur est saoulé d'attendre, ce que je ouais. comprends parfaitement, si je fais un travail suffisamment sérieux, il reviendra de lui-même. Et tu vois, j'ai pas besoin de faire des tours de magie, de lui raconter ma vie sur internet, de dire oui, tu sais, j'en suis là, faut pas m'en vouloir, truc, non. D'accord, okay. Tu vois, le mec il décide de me zapper pour l'instant parce que je mets trop de temps à son goût, qu'il ouais. le fasse. Si mon scud il est bon, il reviendra de lui-même, tu vois. C'est clair, donc on l'a bien compris, hein, Sake Zaka privilégie la qualité plutôt que la quantité, donc c'est pour ça que des fois il met un petit peu de temps entre chaque album, mais franchement, pour du bon son comme ça, nous on te pardonne, quoi, j'ai envie de te dire. Ah, c'est gentil. Sake, j'ai vu Scylla qui disait que t'étais un mec super perfectionniste. Ouais. Et il disait que franchement, c'était un truc de ouf. En 4 heures, t'étais capable de décrire seulement 4 mesures, tu vois ce que je veux dire. Alors que les mecs, ils avaient fait des 16 mesures, tu vois. C'est un truc de ouf. Franchement, comment ça se fait que t'es autant perfectionniste? Je sais pas, c'est. Bah, je sais pas, moi, parce que j'aime bien. Je pense que chaque mot a sa place dans une phase. Moi, j'aime bien faire rouler mes phrases dans un flow bien précis. Tant que j'ai pas le roulement nécessaire, tu vois, tant que j'ai pas le flow qu'il me faut, donc les mots qu'il me faut, précis qu'il me faut, c'est pas bon. Ouais, il disait que franchement, il fallait que ça tombe pile poil comme tu le pensais dans ta tête, sinon ouais, ça va pas, c'est une crise, quoi. Moi, quand je suis en train de rapper, tu sais, je fais pas appel à une mémoire de, tu vois, genre, je fais pas comme les récitations, tu sais, où. Pendant que tu récites, machin, t'es comme à l'école, ouais. Tu te rappelles du texte en l'ayant regardé. Là, c'est une autre mémoire, tu vois, que tu mets en place. C'est un peu comme du sport, tu vois. Je m'enroute la locomotive, si tu veux. Mmh. Et après, c'est plus un réflexe chimique, limite, qui se passe dans ma tête. Et non, sérieux. Et pour que ça se passe comme ça, il faut une grosse fluidité dans mes phrases. D'accord. Il faut que les mots soient bien choisis pour que ça roule et que ça rentre bien dans mon cortex et que ça s'inscrive et que après, je les fasse bien. Qu'est-ce que toi tu penses des rappeurs qui se mettent à chanter sur les refrains? T'aimes bien cette tendance ou pas? Bah ouais, moi franchement j'aime la créativité. Le cum qui fait un effort, qui arrive, tu vois, qui rappe dans les temps et qui rappe pas des conneries et qui ouais. en plus chante, ça tue. Moi mon pote Scylla, tu vois, il chante des fois ouais. dans ses refrains, je trouve ça déchire, ça ramène vraiment un truc. Un mec comme Soprano aussi, ouais. Je pense que même carrément c'est son fort. Ouais, c'est remarqué avec des mélodies qui rentrent dans la tête comme ça. Maintenant, c'est pas mon truc à moi personnellement. Ouais, tu t'es pas testé à si, j'ai déjà essayé, si. Mais franchement, c'est pourri. Moi, quand je chante, ça le fait pas. Même avec le vocodeur? Ouais, non, ouais, non mais ça, non, merci. Non. Et ouais, non, je sais pas, j'ai déjà essayé, mais franchement, ça donnait rien. Ok. Ouais. Au niveau, donc, pour ton album La Clé de la Cave. Qui t'a invité en featuring? J'ai invité Scylla, j'ai invité Freestyle d'Arsonis, j'ai invité Absoulja, j'ai invité Ouira, j'ai invité l'ex Nouvelle École qui est ici. Ouais. J'ai invité. Il me semble que c'est tout. Donc c'est Zaka aussi. Zaka, je l'ai dit, je crois, ouais. En premier, ou je sais pas si je l'ai dit. Si je l'ai l'indice. Dit. Donc il y a quand même beaucoup l'indice. Plus de featuring sur cet album-là. Il y aura beaucoup plus de featuring. Que sur le maxi tu parles? Non, sur l'album La Clé de la Cave. Ouais, plus de featuring. Il y aura beaucoup plus de featuring qu'avant, que ce que tu faisais avant.
Ouais, c'est possible, mais enfin à côté de ça, j'ai pas fait grand chose avant en solo. Ouais. Et avec Zacharia, on a fait plein de featuring et on a fait, comme on parlait l'autre jour, du 132 MC. Donc voilà, en termes de collaboration, je pense qu'on n'est pas les derniers. Ouais. Mais ouais, enfin. Non, mais même là pour mon album solo, si tu veux, je me suis pas du tout dit, ouais, vas-y, faut que lui vienne parce que c'est le mec d'Arsonis, au contraire. Mais en plus, je pense pas qu'aujourd'hui soit un mec qui ait tant de notoriété que ça en France, tu vois. Donc, c'est pas. Moi, c'était vraiment affinité musicale, humaine. Ouais. Parce que j'allais te demander, en fait, un featuring, tu le choisis comment? C'est quoi? C'est que tu te dis, tu fais un morceau et tu te dis, ouais, le refrain, j'aimerais bien que ça soit une voix comme ça et tu vois ce truc-là. Ou tu te dis, ouais, enfin, après, ça peut être aussi, ouais, on s'est rencontrés, on a envie, on fait de la musique, on s'apprécie et tu fais un morceau et il ira où il ira. Bah, c'est les deux cas dont tu parlais. Là, par exemple, j'aimerais bien avoir un mec qui me fait un truc un peu chanté, raga, sur un morceau que je viens d'écrire, là. Mmh. On essaie d'avoir l'Erickson, tu vois. Donc, parce que je kiffe ce qu'il fait, donc on va essayer d'avoir l'Erickson. S'il s'avère qu'il est indisponible et qu'on peut pas, on se tendra vers quelqu'un d'autre. Okay. Tu vois, j'ai quand même mon idée de base. Okay. Et que j'arrive à atteindre cet artiste ou pas, je garderai mon idée. Et voilà. Ouais, c'est des fois et sinon, ouais, bien sûr, il y a les featuring familiaux. Quand mon pote l'indice, il m'appelle et qu'il y a un truc à faire, je le fais. Ouais. Ou Rino, tu vois, normal quoi. Mais sinon, ouais, je m'exporte pas, je fais pas de featuring, j'aime pas rapper avec des gens que je connais pas. J'aime pas montrer partout dans le rap, ça rien. Pour ensuite raconter toujours la même chose dans ses textes. Je préfère. Ouais, de toute façon, tu pourrais, comme il disait. Si tu préfères privilégier la qualité que la quantité. Après, c'est sûr que si en plus tu mets beaucoup de temps à écrire et que tu te prends vraiment la tête sur tes lyrics, forcément tu peux pas faire 50 000 featuring. Voilà, et puis ça fait des rageux, je m'en rends compte. Mais à côté de ça, comme j'expliquais tout à l'heure, moi je pense que tu vois, ton jugement sur moi, tu dois le faire vis-à-vis de ma musique. Et pas de comment je t'ai dit non, je veux pas featuring avec toi, tu vois. Et que si mon album il est bon, bah écoute, t'écouteras. Si t'aimes pas, t'écouteras pas, je m'en fous. Mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est que je fais la musique qui est fidèle à moi. Je veux pas, parce que ça te fait plaisir, venir perdre un mois sur un morceau que je vais même pas écouter parce qu'il se trouve que je vais pas aimer ce que t'auras fait. Et voilà, je préfère me concentrer sur mes projets, c'est clair. Quand t'écris ton texte, je pense que tu te dis pas forcément putain, il faut que j'écrive une bête de punchline. Bah si. Si ? Si, si. D'accord, bah, si, carrément. Moi je trouve le mec qui est devant sa feuille, qui se dit pas qu'il est en train d'écrire une bonne punchline. Je sais pas, moi c'est comme un dessinateur qui est content de faire un dessin pourri. D'accord. Tu vois ? La définition de punchline. Ouais, tiens, bonne idée. Voilà, quelle est la définition de punchline pour toi ? Bah ça veut, tu vois, une ligne qui te met un punch. Une ligne qui te met un punch. Ça veut dire voilà, punchline. Ça veut dire que pour moi, de ligne par ligne, tu dois te prendre punch sur punch. Quelle est la dernière punchline que toi t'as écrit sur un de tes papiers ? Tu peux la lâcher comme ça à l'antenne ? Une punchline qui sera sur ton prochain album peut-être ? Ouais. Alors. Je suis pas ce qu'ils appelleront un bon français, pardon si je te cause une frayeur. Je proviens d'une génération capable du pire comme du meilleur. Ma gana, je te reviendrai pas, même si je portais la bite des scouts. Tu vois, j'habite dans un endroit où TF1 fabrique des scoops. Aïe aïe aïe, donc voilà ce que vous venez d'écouter, ça sera sur la clé de la cave. Tu peux lâcher le nom du Somor ou c'est encore un truc. Un bon français. Ça s'appelle Un bon français, voilà. Donc ça sortira au printemps. Ce sera le premier album solo de Sake Zaka. Et bah mec, franchement. T'écris bien, y a pas à dire. Merci beaucoup, Jess. Ça écrit propre, mec. Ça fait plaisir, ta part. Coverglow.com, le nouveau webzine pour rester toujours plus proche de tes artistes. Ghetto Blaster.